Allô? Nickel. On a un peu joué, mais vu qu'il s'est rien passé, j'ai coupé. Parce que c'est. On est juste allé faire vite fait le Pokédex d'Evoli. Voilà. Et on s'est baladé pour des trucs nuls. Et pour se balader. Et pour jouer au jeu. Donc c'est pas très important, mais vu que là je compte pas faire l'histoire, autant reprendre à partir d'ici. On va faire des vidéos qui servent à rien. Mais en faisant Evoli. J'ai eu ma cinquième étoile. Let's go. Donne-moi un sticker. Donne-moi un sticker. Ma sixième étoile même. Ma sixième étoile. Mais oui, j'avais déjà 5 étoiles. Eh ouais, gamin. Vas-y, viens au village, Anot. On va essayer d'échanger. Viens, viens. On va essayer d'échanger pour voir comment ça se passe. C'était chaud, c'était chaud. Bon, Tominus, il évolue à quel niveau? Toujours pas? What the fuck? What the fuck, Fantominus? Viens là! J'ai juste fait évoluer Fantominus en Spectrum vite fait avec des bonbons. Enfin, avec des cubes. De toute façon, c'est gratuit à obtenir ces trucs. Un seul, ça devrait être bien. Ouais, c'est bon. Hop là. T'es dispo ou pas? Il répond pas là. Allô? Sinon, tant pis, je vais continuer le jeu. Next time. Pam 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 pam. Ouais. Très très jolie couleur. Il est bien foutu le Spectrum. Question des capacités. Lui mettre ballon, moi. La place d'étonnement déjà. Hypnose, c'est bien hypnose. Choc venin, gaz toxique. C'est bien. On va mettre gaz toxique là. Il peut pas apprendre. Il peut pas apprendre Bomber, une connerie comme ça. Il peut pas apprendre un petit Bomber là. J'ai trop de Pokémon du même type. Hein? J'ai les doigts avec mon KFC. Oh, il mange. Il te venge, il te venge, il mange sur ma gueule. Il mange sur ma legueue. Vas-y, vas-y, je t'attends. Da-da-da-da. Il mange sur ma legueue. Sélectionné. Oh, vibro obscur, psychotonnerre. Ah ouais, tonnerre. Oh, vous rappelez tous de mon. Oh, tonnerre. Oh, mon ectoplasma tonnerre, c'était incroyable. Ah, mais oui, il faut jouer ectoplasma tonnerre. Il a tellement fait le taf, ectoplasma tonnerre. Échosphère, on n'a pas besoin d'un poke. Vent glace. Vent glace. Hein. Oh là là. Ectoplasma tonnerre, vent glace, éclat magique. Explo. Il n'y a pas Exploforce. Enfin, je vais attendre qu'il soit ectoplasmé. Donc qu'est-ce qu'on fait évoluer par échange? Oh, il n'y a pas une plaque. Résumé. Attendez, il n'y a pas une plaque. J'ai pas une plaque acier là. On va faire échanger un sécateur juste au cas où. Si ça se trouve, un sécateur, il va évoluer juste en. Ah, après, je l'ai pas rigide. Hein. Mais c'est pas grave, c'est pour l'histoire. Isaiox, ce serait insane. Résumé. Non. Oh, moins de vitesse, plus d'attaque. Ouais, non, non. On a un autre un peu plus haut. Un sécateur. Moins. Oh mon dieu. L'inverse de ce qu'il faut. Modeste, quoi. Oh, on a envie de vomir. J'ai que des Pokémon de seconde zone, moi. Et alors, un échange, tu m'échanges n'importe quoi. Et si toi, après, t'as besoin qu'on échange pour que t'évolues, on le fait. Ah, c'est moi qui ai besoin d'échanger des Pokémon. Échanger avec quelqu'un de proche, non, avec un partenaire lointain. Est-ce qu'on peut faire avec des amis? Comment ça marche? On va apprendre. Veuillez saisir un mot de passe de communication.
Bah, tu devrais savoir. 140. Oula. 85. Et puis 0, 0, 0. Parce qu'on connaît pas. Merde, ça fait pas 140, 85. On va faire plutôt 0. On va faire 0, 140, 85, 0, 0, 0, 140, 85, 0, 0. Là, c'est la fréquence connexe, ça. Vas-y, j'attends. On va pas mettre pause, comme ça, on voit les échanges commencer dans la vidéo. Alors, allô? Allô? Je vais faire le mec impatient de fou. Allô? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on n'a pas déjà fait l'échange. Je comprends pas. Allô? Allô, c'est pas normal? Paramètres d'échange trouvé. On va commencer par... Oh, mais je peux faire un grelem aussi. Oh, frère. On va faire un grelem aussi. J'espère qu'il tient pas une pierre stase comme la dernière fois avec... Oh, mon Dieu. La dernière fois, j'ai fait un échange avec Adam. Je voulais lui donner un grelem et je lui ai donné un Gravalanche qui avait une pierre stase. Il a même pas évolué et il a même pas compris. C'est-à-dire qu'il m'a même pas dit MDR. Il était trop chaud alors qu'en fait, je lui ai envoyé de la merde, quoi. Non, trop con. On va commencer par Spectrum, allez. Changer. C'est trop marrant. Hein. Gravalanche, pierre stase. Hein. Il l'avait naturellement, la pierre stase. Hein. Et, on va juste voir un seul échange, après je vais... Oh! Oh, décollage! Oh, la fusée Pokéball, quoi. Ça, c'est stylé de ouf, hein. Mustébo, il est assez grand ou pas, lui? Est-ce qu'il est assez grand? Attendez, je vais regarder vite fait s'il est assez grand. S'il est assez grand, je vais l'échanger. Je vais le montrer. Je vais faire son résumé. Non, il est pas assez grand. Bon, je t'envoie... Alors, renvoie-moi mon Exoplasma. Moi, je t'envoie encore un autre Pokémon à évoluer. Et à la fin, moi, je t'enverrai le Mustébo. Tu comprends? Donc, pour l'instant, à chaque fois que tu me renvoies le Pokémon que je te donne, moi, je t'en envoie un autre. Donc là, je t'envoie Kadabra. Tu peux envoyer Ectoplasma. Comme ça, on fait moins d'échanges. Ah, mais je suis bête. Moi, je verrai pas les échanges, les évolutions. C'est toi qui les vois. J'étais en mode comme ça, on voit. Donc là, je peux faire pause sur la vidéo. Parce que les échanges, de toute façon, vous verrez pas d'évolution. Et on se reprend quand c'est fini. Relavé au dé. On a fait les échanges. On peut dire merci au bro. Elle nous tue. Elle nous tue. Elle nous tue. On a plein de Pokéfions. On a les Pokéfions de base en vrai. On a les Pokéfions de base de l'histoire. Enfin de la Gen 1. Que je les appelle de base. Mais on a Grelem quand même. Hein. En plus Grelem, c'est vrai qu'il est un Grelem énervé. Ah merde. Pas du tout. C'est à quoi je pensais là tout de suite. Comment on parle à ces Pokémon? Ah oui, c'est le pâturage. Le pâturage. Donc là, je commence à avoir beaucoup de Pokéfions. Cisaiox, c'est toujours avec une plaque acier. Du coup, il y aura forcément des objets plus tard. Ça me paraît logique, mais... Pour l'instant, on peut pas donner d'objets aux Pokémon, mais... Mais on va pouvoir en donner, j'imagine, plus tard. Juste résumer vite fait cet Evoli pour voir... Oh, il a beaucoup d'il est... Il a de l'attaque, donc je sais pas quelle évolution évolue est bien en attaque. Bref. Du coup, là j'ai pas mal de choses hein, qui sont fortes. Même Alakazam, Ectoplasma, Grelem. Mais je sais pas quoi jouer. Alors Ectoplasma c'est quand même le Pokémon du cœur. Mais ça fait deux Pokémon poison. Avec le chimpanzé ça fait deux Pokémon combat. Ça commence à me saouler en fait d'avoir des Pokémon du même type, tu vois. Perso, j'aime pas ça, donc... Donc en fait, il y en a qui sont sur la sellette. Qui est sur la sellette? Big Boy ou Ectoplasma sont sur la sellette parce que Spectre Poison et Poison Spectre plus Ectoplasma parce qu'on a déjà joué. En plus, Mentali à la balle ombre, donc on s'en fout. Adem, à cause de son type, malheureusement, il est sur la sellette. Mais il est feu, il peut peut-être rester... Mais ouais, faut que je trouve un Pokémon avec un type, deux types qui ont rien à voir avec ce que j'ai.
En plus là j'ai deux Pokémon vol. Genre l'électrique c'est la merde. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ectoplasma, j'ai envie de voir quand même si maintenant qu'il a ce niveau, est-ce qu'il peut pas apprendre pour un objet spécial pour évoluer Evoli. Bah ça dépend, pour l'instant j'ai fait que des objets, mais il y a toujours les pierres. Par exemple il y a pierre foudre, donc je peux faire Voltali parce que j'en ai trouvé une. Sinon t'as le bonheur, comme j'ai fait pour Nymphali et Mentali, c'est bonheur de jour, et ça c'est bonheur avec attaque spé, avec attaque fée. Pour qui est de faire évoluer Philali, j'ai fait un Philali aussi, mais après j'ai reload, fallait le faire évoluer près d'un caillou, près du caillou de... Il y a le caillou de base, il y a un caillou pour ça. Il y a un caillou fait pour faire évoluer Evoli en Philali ou en Givrali. Le caillou de la forêt ou le caillou de la neige. Et les autres c'est des pierres comme d'habitude. Pierre food, pierre feu, pierre eau. Gestion des capacités, du coup ballon, tonnerre hein, la base. Rappelle tous de mon ectoplasma tonnerre, c'était tellement bien. Je mets vent glace cette fois parce que c'est trop marrant dans une attaque glace. Et voilà. Et maintenant c'est mon main. Il est joli. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Vous voulez voir un truc incroyable, c'est mon big boy. Regardez la taille de mon big boy. Oh là 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 là, big boy. What a big boy. Bon allez, trêve de bavardage, ça fait 10 minutes. On va avancer. Allez, check mon Pokédex tous ensemble vite fait. Alors pas par ordre national, please. Juste voilà, par ordre habituel de vue, quoi. La plupart. Alors, il y a 100... Est-ce qu'il y a un plateau sermon? Oh! On peut trouver un gonfrex plateau sermon. Ok, on verra plus tard. Là, j'ai pas envie. Serfrou, c'est pas maxé. Léviator est pas maxé, c'est ok. J'ai un panfeu. Blablabla, Prini, Machoke, Gravalanche, Magikarp, c'est pas grave. Nosferalto, Papilord, c'est un peu dommage parce qu'on est quand même niveau 9. Wistikram, c'est normal aussi, parce que j'ai rien fait avec. Non, j'en ai juste un, Pachirizu pas loin. En fait, la zone où on est allé, Onyx aussi, je l'ai vu qu'une fois, trop marrant. Popotam, Boule de Neuf, Simiamran. En fait, il y a beaucoup de Pokémon, en gros, dans la zone. Que je peux maxer en allant faire le Pokédex. Mais j'ai envie de faire l'histoire, donc je le ferai plus tard, ou alors de mon côté, ou alors sans doute dans les autres zones, on les trouvera au pif pendant qu'on joue. Donc autant pas se prendre la tête. À chaque fois, je zoome sur l'endroit alors qu'il faut pas. Faut juste appuyer sur X. Enfin, sur A, quoi. A qui a la place de rond en plus, qui est même pas sur la place de X. Bref, laisse tomber, quoi. Est-ce que je crave vite fait des trucs? Non, on est good. On est good, on est good. Alors, ici, il y a un mec qui a une quête pour moi. Déjà, on va aller le voir. Ensuite, il y a une quête secondaire qui me dit « Yen, il faut que tu parles, que tu renifles un mec perdu dans le marais. Charlie. » Donc, de toute façon, même si je le mets, la quête ne me l'affiche pas. Parce que de toute façon, c'est un faut renifler. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement monter sur notre bro du reniflage et on va renifler. Alors comment il marche exactement le bro du reniflage? Il est pas loin du truc. Donc là, il sent qu'il y a un truc bientôt. Alors juste avec les flèches, je peux switcher. Du coup, il avait senti un truc. Du coup, c'est par là. Par là ? Oh, attendez. Let's go.
Parasect. Incroyable. Alors faut pas le tuer. Il résiste à tout ça, du coup triple flèche ça le tuera pas, je pense, j'espère. Parfait. Ça le tue vraiment pas. Oh là là, mais il est fort. Bon, il a perdu un peu de défense, mais j'espère qu'il va quand même pas mourir. Ouh, aïe 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 aïe, le coup critique. Coup critique plus défense perdue. Vraiment, Brossetsu, il est à chier. Hein. Ça prouve quand même que Brossetsu pue la merde. Hein. Je vais baisser un peu le son parce que je m'entends hurler, quoi. Fuck. Alors j'ai envoyé Adam, parce que s'il fait parasport et que ça fait partie de son Pokédex et que ça marche pas parce que mon Pokémon est plant, c'est trop chiant. Il avait pas fait parasport. Le switch est gratuit, j'envoie la Pokéball, je vais le capturer, ça aura changé rien. Voilà. Juste une perte de temps. Parasect. You know the Parasect? Oui, je sais, j'étais là à la base pour renifler, mais je vois juste des cailloux. Putain, il est vite fait de les ramasser, quoi. Surtout que celui-là, il est bleu. Bon, j'ai rien dit. Il y a un Parasect là. Faut au moins que je me rapproche de lui pour check son Pokédex. Attrapé un deuxième, vaincu par une attaque de type vol. J'ai pas ça en vrai. Ah si, sur un petit instant en fer. Port ou choc venin. Ok. On va faire un combat, essayer de l'attraper. Ou le tuer avec une attaque de type vol justement. Mais ce serait cool de voir l'attaque du coup. Oh là, mais big boy hein. On va savoir le tuer avec l'âme d'air. Pour l'instant, je pense que ce sera plus simple. Voilà. Mais des fois, je comprends pas. Hein. Des fois, c'est full orange et ça devient direct pas orange alors que je bouge pas. Comment ça, il évite l'attaque? Parce que je suis un Pokémon tellement gros que j'ai du mal à toucher un truc aussi petit. Bon, c'est pas censé prendre x2 sur poison. Ah voilà. Pierre soleil carrément. Ah oui. La point éclair, ça fait rien. Il évite l'attaque en plus. Donc choc venin, c'est cool parce que fallait que je m'en prenne un. Et encore sport, je crois. Non. Fais-moi sport avant que je te tue et que je te capture. Ah non, je dois le capturer, merde. Bah là, va mourir du coup. Oh là là. J'envoie la lucidité qui va pas tuer avec Vive Attack. Ah merde, il a tué. Coup critique, coup critique. Mais la lucidité là. Je
Mais pas coup critique comme ça, la lucidité, c'est pas faire, c'est pas faire. Oh mais la lucidité là. La lucidité qui troll la game. Ah, il doit retrouver un parasect maintenant. Mais il n'y en a plus. On les a tous tués. On a détruit la... La faune. La faune et faunède. On a faunède la faune. Tant pis Scotto. Ouais tant pis. Bon reniflons. Alors j'ai aucune idée d'où elle peut être exactement... La personne de la quête secondaire, mais bon, on va renifler au pif. Hein. C'est le principe. Hein. Mais après, on peut faire ça avec Porioneuf. Pardon, poème, accès. Tarsal! Let's go! Let's go! Let's go! Oui! Oh là 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 là, let's go! Tarsal! Galamé! Vous pensez tous que j'allais dire Gardevoir, hein? Que Galamé, mon frère. Dites-moi que c'est un mec. Je peux pas savoir. J'espère que c'est un mec, hein. Je kiffe trop Galamé, moi. Faut renifler Yann. C'est par là du coup. Trouver la personne? Ah, vieux poème. Ok. Bah, il ira plus tard. Pam 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 pam. Encore Shuniti, ça. Ah non, pas Chirizu. Alors je sais pas s'il est maxé, mais on va juste le tuer. Le Vertil Pokémon Music. Quoi, j'ai pas tué avec Psycho. Ah mais il est level 41, what the fuck. Pokémon, j'ai mis une playlist au pif qu'il y a sur internet. C'est un peu faible, je trouve. What the fuck am I doing here? Je crois que dans une zone. Ouais, c'est là qu'il y a Ursaring et que j'avais dit que j'étais dans un endroit trop haut niveau. Bah, c'est forcément pas ici, du coup. Bah, ça m'étonnerait, du coup.
Faut que j'envoie en base 2 pour le Pokédex. Quand je suis en combat, faut que j'appuie sur espace pour couper la musique. Une fois que c'est fini, je peux la remettre. J'ai même pas attendu de régène, hein. Très mauvaise chose, très mauvaise chose. Prendre deux régènes peut-être, hein, avant de faire des bêtises. Oh, Paichirizu, maxé, j'ai pas envie de le combattre. Bidouf! Toujours bidouf, quoi. Ah, et la musique des fois dans le jeu qui commence au pif. C'est la musique du jeu, hein. Ah, j'ai maxé Roselia ? Ah bah. Comme quoi. Oh. Ah, Gravalanche, je peux le capturer pour une fois dans ma vie. Nico, il va mourir. Ah, et si, oh. Et de ma vie, je l'ai capturé, hein. Je crois que je vais maxer. Gravalan juste en les tuant. Pas vraiment, hein. Psycho, ça a peu de PP, vraiment je crois un PP plus. C'est sympa de la jouer mais... J'aime pas jouer souvent. Moi aussi il est maxé. Encore un Tarsal. Oh, je suis trop heureux. Oh non, il sait de loin. Oh, Tarsal c'est pas évident à capturer je pense. Et de dos là. Oh fuck. Ouais. Nice! Encore un Tarsal! Le jeu est trop bien! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il s'est retourné? Ah, parce qu'il a senti un truc et du coup il va vers le. Y a rien ici quoi. Ouais. Elle veut monter. Être humain enfin, j'ai bien cru que je n'en reverrai plus jamais de ma vie. Ah mais c'est Charlie. Il est où Charlie? C'est comme dans la BD. Je vais jamais croire ce qui m'est arrivé. J'étais en train de retourner au bivouac après ma mission tranquille quand soudain flan, je me suis fait attaquer par une horde de Pokémon. Heureusement j'ai réussi à fuir in extremis mais à force de courir dans tous les sens j'ai fini par me perdre dans les marécages. Du coup, est-ce que je peux m'indiquer la village? Ah bah, oh merci. Oh, oh, oh là. Non c'est pas par là. Quel gour j'ai compris cette fois, par là. Je commence à comprendre pourquoi elle s'est perdue. Faut aller parler à Aniki et lui dire que tout va bien. Oh, renifle. Renifle. Renifle et vas-y. Et du coup, quand il n'y a pas de truc, il se tourne tout seul? Il renifle un truc, il tourne tout seul.
Ah, il tourne pas tout seul. What the fuck? Il y a 2 secondes, il était trop heureux de trouver un truc. Voilà, il pêche. Oh, dur, hein! Dur, tout ça pour de la boue, quoi! Ah, mais y a plus rien là! On est sûr qu'on parlait juste d'un seul truc, c'est juste qu'il s'est pas reniflé? Reniflé dans presque toutes les directions quand on était ici. Ah, ok. Ok, je te crois, c'est par là, c'est par là. Mais il va où ton flair là? Bruh. Il faut traverser le pont du coup. Mais bro, il n'y a pas de pont, bro. Mais bro! Bro, c'est dessous! Attendez, prenons le pont qui est là, parce que il a l'air motivé, même s'il a l'air de renifler un peu au pif, là. Merde. Trop profond pour lui. MDR, il passe pas, il est trop grand. Trop d'âge, trop de force, trop de muscles. Donc là-haut, oh, c'est là-haut, ah, c'est facile, c'est vite bourré. Dans sac de nœuds, je crois que je l'ai pas maxé. Are you? Ah si. En fait, j'ai maxé beaucoup de monde ici. Hein. Parle mal, c'est parle mal, mais... Mais... La caméra elle veut pas comprendre où je tourne le signe parce que lui il prend le contrôle de la caméra pour dire c'est là-bas que j'ai senti un truc. Oh Onyx, je l'avais pas capturé la première fois. Je l'avais tué. Bon, au pire... Mais arrêtez de... Mais il est sérieux le jeu? Mon perso il a envoyé 15 000... Ah... Il a jeté 3... Quel jeu de merde. Meurs pas. Hein. Lucidité est trop fort. Oh, jouer avec Brossetsu parce qu'il a chié. T'es maxé ou pas toi? T'es maxé. T'es maxé, on s'en fout. Ouais, désolé, perdu. Y a tellement de gens qui meurent dans le jeu. Enfin, qui meurent, qui se font défoncer la gueule. Encore un racaillou. Racaillou est partout dans le game. Là, je vous ai menti. J'ai dit qu'on ferait l'histoire et on le fait pas. Du coup, je devrais à nouveau couper la vidéo. C'est dingue ça. Quoique, vous savez quoi. Faut bien qu'il y en ait une qui vous montre à quoi, comment on s'amuse dans le jeu. Par contre, vraiment. Cet objet là. Alors, au bout d'un moment, faut réussir à le capturer, lui. Rapace, peut-être. Nice, rapace, ça tue pas.
oh oh. J'aime plus le stab vol. Oh, s'il fait un truc qui se tue là, genre Damoclès. Ah, c'est bon. Enfin, on fait des trucs un peu plus intéressants avec Gravalanche. Plus que le one shot à 24. Attendez, est-ce que lui est maxé? Ah non. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? On peut leur péter la gueule visiblement. Hydro queue du coup hein. Taran taran taran. Une attaque de type plante maintenant. Ah y'a les deux. Bah tous les deux ils tuent avec une attaque de type plante du coup. À part si je meurs là, ce qui est très probable. Et 35. Ah si. Ah j'ai tenu. Un PV. Atterrissage. Y'a un moufouette derrière. Oh là là. Partir sur lame feuille sur oh merde, c'est vrai qu'il faut cibler avant le coup, c'est abusé ça hein. Tellement différent de le Pokéball. Est-ce que je choisis mon attaque avant de choisir ma cible? Atterrissage style rapide. Est-ce que je peux rejouer? Oh god. Je suis mort. Je peux même pas rejouer, à quoi ça sert de faire si rapide? Rapide. Ouais, ectoplasma pour le fun. Il a pas le level, mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Parce qu'il est immunisé seul et... Et en plus, il est poison. Ça j'ai pas la place. Agrume rongé. C'est vous qui êtes rongé monsieur hein. Ah mais c'est vrai qu'à chaque fois je fais des potions justement pour avoir de la place. Et du coup je gaspille un peu le truc. Ok ok je comprends. On va plutôt voir ce qu'il veut renifler si vite fait. Ah, c'était là? Bon, Onyx, il serait temps de le capturer.
Phoenix, je sais pas pourquoi je le combat. Il est gratuit en vrai. À capturer. Phoenix, c'est vraiment le pire des Pokémon. Hein. Il a l'air fort, tanky, quoi que ce soit. Il est ni tanky ni fort. Il est juste grand et impressionnant de base. Même s'il a une sale gueule. Lire de sa carrure. Hein. Je crois que personne au monde n'a été impressionné par Onix. Hein. Ah oui, d'accord. Le mec qui se buff. Mais ça, c'est des capacités de Pokémon sauvage de ce jeu, quoi. De faire colère et d'être. Et de gagner un buff 50% d'attaque. Quand t'as un pull et que t'as un casque, c'est trop bizarre. Mmh, ouais, un big boy. Alors je sais que c'est une mauvaise idée parce qu'il est. Il est vol, mais c'est juste parce que c'est un big boy. Et bref, allons à l'histoire. Le souci de Maria. De Marcia plutôt. Alors pour renifler vers l'arène du théâtre pour ça, non? De base. Ouais. En même temps, ouais, je vais aller voir. Comment est-ce qu'on monte là? Naturellement, pente de Gringole. Vite fait, aller là. Reposer mes Pokémon. Ouais, si ça se trouve, il y aura une musique. Ah bah par là on peut monter. Ouais. Ouais ouais ouais. Oh Spectrum de base. Par exemple faut parfois tomber du sable effort ou des cailloux efforts. Tu les ramasses, tu pourras ensuite t'en servir pour entraîner tes propres Pokémon. En pratique, tu trouves pas? Alors par contre, ces trucs-là, j'ai toujours pas compris. Hein. J'ai toujours pas voulu tester non plus. Oh fuck. C'est pas dans le dos, ça? What the fuck, quoi? J'essaie de m'accroupir, c'est tout ce que j'essaie de faire dans ma vie. Hein. Trop marrant! Il est apparu devant moi, il m'a donné un coup de poing. Enfoiré. Périm, périm, on va essayer de le voir faire une attaque, châtiment, je crois que ça va forcément me donner un petit bonus. Ok. Pokéball cette fois. Allez, salut, je suis mort. Mais quoi? Mais à quel moment j'ai abandonné le combat? What the fuck? Maintenant il sera full vie? Ah non. Alors ça c'est stylé qu'il soit pas full vie. Ça c'est stylé. Ça c'est respectable. Je me suis pas fait biaiser. En gros, encore une fois j'ai appuyé sur R1 pour envoyer un Pokémon. Puis j'ai appuyé sur R2. Mais vu que mon Pokémon était mort et que j'ai essayé de l'envoyer... Et... Bon bah elle était abandonnée. Voilà. Voilà l'explication que le jeu a apporté quoi. De la merde. Par exemple surpris apparaît. Ah merde. Ouais, une seconde je me suis dit grave à l'ange pourquoi pas.
Et au final, non. Putain, il est encore mort pour rien, quoi. Je dois encore aller me coucher. Mais d'accord que la quête principale, faut que j'aille à la reine abeille. Elle est dit à 15, je crois. Ouais, mais pourquoi de base, avant il y avait la reine qui était affichée. Et maintenant elle l'est plus. La reine du théâtre était affichée là, je comprends pas. C'est bizarre quoi. Oh, des Yanma. On va vouloir se prendre la tête. On va juste checker que leur un Q1, attraper le soir, sans qu'il vous repère. Sans qu'il me repère, let's go. Ça se retournait là, oula. D'accord. Aveugle man, Yanma. Ah, je pensais que c'était que la nuit pendant une période ces flammes. Tantôt j'en ai pris une, mais j'ai cru que pendant une seconde que c'était peut-être parce que j'étais sur le truc qui renifle. Et au final, non, tu peux les attraper quand tu veux. J'ai vraiment eu un feeling de c'est la nuit. Ok. Je suis assez fatigué. Mais j'ai quand même envie de faire l'histoire. Au moins ce petit passage. Il faut quand même essayer d'aller vers l'histoire. Même s'il y a encore tellement de trucs que j'ai envie de faire. Et j'ai eu une tellement grosse journée aujourd'hui. Harry le féroce! Oh là là. Ou Rhinocorn, je sais plus à quel moment tu férocises ou tu cornises. C'est corne ça? Peu importe, j'attaque. J'ai jamais trouvé le Pokémon à trois feuilles, je sais pas quoi. Hein. Et à moins que tu meurs pas, tu auras pas, je pense. Ouais, voilà, c'est gratuit. Pum, 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 pum. Des fois, je me demande pourquoi je joue pas Star Raptor. Hein. Parce qu'en vrai, on sort tellement de la Gen 4, il y a tellement de Pokémon de la Gen 4 que c'est Shino. Que ça me dérange, quoi, de les rejouer. J'ai envie de jouer des nouveaux, quoi. Pas des nouveaux. Pokémon que j'ai pas joué récemment, quoi. Comment ça tu rentres pas dans une Pokéball? Ça ou quoi? It's a Pokéball. You have to rentrer. Gacha. Parfait. Ouais, c'est après c'est Rhinophéros. Et après Rhinastock. Le jour il y a Rhinastock tier. Vaincu avec une capacité de type plante, ok.
Padam 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 bidim boum boum. Faut juste pas qu'il me tue quand j'arrive. Au problème, il y aurait un Octalie, mais le 10 bonjour. Bah tu joues avec jusqu'à ce qu'ils disent qu'il peut évoluer, c'est tout. Tu joues juste avec ton Octalie. J'ai un ton message, je sais pas si tu m'entends encore, mais... Tu joues avec ton Octalie, avec ton Evoli. Dès qu'il dit qu'il peut évoluer, tu regardes ses équipements, enfin ses capacités. Tu retires toutes les attaques faites, et si tu peux pas les retirer, tu vas acheter une attaque normale, je sais pas, t'attaques charge, t'achètes puissance, achète une connerie quoi. Retire l'attaque fait et puis dors jusque ce soit la nuit et clique sur évoluer, ça va donner une Octalie. Enfin, Octalie. Pas compliqué. Quand tu joues quoi que ce soit qui est le bonheur ou quoi, faut juste jouer jusqu'à ce qu'il évolue. Le bonheur ça monte tout seul à force de marcher, à force de faire des combats. Il y a plein de méthodes pour monter le bonheur, mais dans ce jeu ça va assez vite. Il y a tellement de distance à parcourir que ça va monter tout seul. Moi j'ai même pas dû réfléchir que c'était monté. Genre vraiment. Hein. J'ai déposé mes trucs dans la boîte. Et je vois que j'ai coupé cette vidéo qui est trop longue pour rien. Et aller vers l'histoire.